Salut à tous, c'est Dobby en mode Noël avec Mitano et Malimoy. Père Noël, Père Noël. Bonjour à tous, c'est où sont tous les Père deux Noël, c'est Malimoy, je suis votre Père Noël. Regardez-moi. Le skin spécial Noël que je garderai jusqu'au 1er janvier, enfin à peu près. Ouais, voilà, pareil pour moi. Je suis en mode Père Noël. Noël. Père Noël, Père Noël, Père Noël. Ta gueule, ta gueule. Alors, je suis avec, je pense que déjà 35 000 l'a dit, mais chacun son tour. Je suis avec Mitano. Attends, je mets en ne pas déranger, ça me saoule. Mitano et le Père Noël 35 de nuit. Oui. Alors là, on va se mettre en mode piège. Regardez la combo, vous allez rigoler. Technique de cause, mais aussi de tout le monde, hein, parce qu'il y a pas parce que c'est trop flippant. Un switcher qui met un mec dans un trou avec une fence gate que l'on ouvre et ça fait tomber le mec dans un trou. Et puis voilà. Elle est super gentille. Ouais, et voilà, et ça se finit super bien, tout le monde est content, tout le monde est gentil et tout le monde se masse. Pardon. Tu te tais s'il te plaît, tu te tais. Oui, bon, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai pas continué le mot, ça m'a évité une censure. Attends, je regarde si on m'entend parce que des fois dans la vidéo, tu sais, j'active pas le son. Bon, allez, on vous retrouve au début de l'Hunger Game dans 40 secondes. Salut. C'est bon. Et c'est parti, les enfants, on est parti pour l'Hunger Game. Alors, attention, je cherche le petit. Ah, j'en ai parlé là-bas. Bah, c'est toi. Père Noël. Ouais, Malimoy. Et Mitano. C'est parti, on part par là. C'est parti, on est parti, les amis. Oulala, on est par là. Par là, les mecs, j'ai l'impression qu'il y a une plaine. Donc, t'as pris bûcheron ou pas, Mita? Ah, oui, je suis bûcheron. C'est bien. Je suis bûcheron. Les kits qu'on prend, les kits qu'on prend jamais, parce que je prends le mineur. Ouais, moi j'ai pris ma switcher, je prends un peu. Il y a un gars, il vient d'user une flèche pour tuer une vache. Oui, une vache qui. Eh, rapproche-toi de ton micro, t'entends mal. Qui? Mitano, moi. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ça m'a fait peur, ça me. Il y a un gars, vous savez, il vient d'user une flèche pour tuer une vache qui était en haut d'une montagne. Eh mec, là, il y a une plaine. J'ai creusé. Vous avez, prenez de la nourriture, vous mangez très bien. J'ai mon sponsor. Je vais couper du bois. Attends, mais vite, 35 de bits. Là, je fais le trou. T'es prêt? T'es là, c'est parti. Je prends du bois. Donc, moi, je suis parti pour creuser, je suis le mineur. Il creuse, voilà, c'est parti. Il va être en bas. Moi, je vais couper du trou. Hop, pour mettre la fence gate. C'est dommage pour sa vue. Ouais, il va crever comme une merde. Hop, hop. Oh, peut-être tout à l'heure il est mort parce que son ordi a surchauffé. Oui. Attends, il est où? Il est où son truc? Oh non! J'ai eu peur, t'as, vous m'avez enlevé, j'ai mon ordi dans le temps, il s'était lié là. Où est son trou? Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh putain, y'a une vache qui est tombée dans mon trou! Non, ah. Mais non, je voulais la pousser. Eh hey, mec, t'as le bois, fais les fence gate et tout. Ouais, jette-moi du bois dans mon trou aussi. T'as pas fait assez profond. Ah, y'a des mecs partout, mec. Ça veut rien dire, mais bon. Mais y'a des mecs partout. J'ai pas du bois. Du bois, please. Ah non, mais le mec, c'est mort là, y'a trop de monde. Tant pis, c'est pas grave. On est bien là. On est bien, mais y'a plein de monde qui regarde mon diamant que j'ai dans la main. Mec, t'as un diamant. Tu t'occupes du piège, moi je me. Ah oui, faut des pressure plates, des demi-dalles. Des demi-dalles, mec. La fence gate, la demi-dalle. Il fait noir. Je vais mettre de la lumière pour mes. On va crever. Mais t'es trop con. Putain, mais mets une médaille. Y'a pas de terre avec vous. Voilà, remets-toi en dessous et on est prêt. Attends, on va attendre que ça s'entretue un peu et c'est parti. Moi, C'est pas mal. Attends, j'attends qu'il y ait un mec qui se ramène droit sur moi. Eh oh. Donc alors, vous allez voir, le piège se consiste à... En fait, ouais, y a une pression plate que Mitano va ouvrir. Moi, je vais switcher le mec qui va dans mon trou à ma place et Mitano ouvrira la trappe. Et voilà, c'est parti, un mec qui arrive. Hop. Vas-y, on voit la purée. Et il est mort. Voilà, ça consiste. Merci, c'est tout le stuff, regardez. Et voilà, il gagne. Et il dit pas en fait. Je suis full cuir, moi déjà. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe en fait. Ouais. C'est ça le but du piège. En fait. Oh, trop beau. C'est trop bon. Donc, quand vous connaissiez pas, c'est ça. Donc, je vous rappelle la petite technique, des pressure plate, un switcher, et puis c'est tout. Vous pouvez même un le conseil, faire. Un conseil, regardez pas le chat Skype. Juste un conseil. J'ai intérêt. Putain, un gars, faut cuire. Pas dedans, il est où? Ah là. Et bon, allez hop. Oh, il est encore mort. Oh, il avait un diamant. Bah, j'ai un diamant aussi, tu veux que je le lance? C'est trop je bon. Te lance mon diamant. Vas-y, lance. Mec, j'adore ça. Voilà, donc ça consiste en ça en fait, le piège. Lol. Bon, au moins vous aurez vu en quoi ça consiste. Encore un, encore des gars. Où ça? J'adore. Oh putain, mais t'es con. Ah, c'est lui qui a ouvert la fence gate. Ah, je suis mort. Bon, bah voilà, au moins vous avez vu la technique. Je vous dis au revoir.
et salut les mecs.